Allez, c'est parti mon kiki, lâchez les chevaux. Bonjour à toutes et toutes. Ah, nouveau week-end, on va faire le plein de bonne humeur. En espérant que vous allez bien, merci à vous d'être là. Ah, c'est l'heure de la récréation, chic. Chic, 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 on laisse derrière soi tous ces soucis de la semaine. Et pomp. Que la fête commence! Oui, je joue au clavier, mec. Je suis en train de me dire, j'étais à la manette ou. C'est vrai que j'y joue au clavier, Lara Croft. Lara Croft? Qu'est-ce qu'il me dit dessus? Mais c'est une blague. Ah, c'est eux. Ah, ok. Je me souvenais pas que je me faisais cueillir par des ennemis, quoi. Et puis, c'est pas comme s'ils étaient trois. Ok. Ça commence très fort. Ah! C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je reprenne sur Internet, j'y ai pas pensé. Sur Internet, vous savez, c'est j'ai le jeu en anglais là. Il faudrait que je retrouve les scènes sur Internet en français et que je vous fasse un résumé de ce qui s'est passé. Ça aurait été d'autant plus pertinent la semaine dernière quand j'ai repris le jeu après 2 mois d'absence que je m'étais débloqué, souvenez-vous, parce que j'avais pas vu une échelle dans le niveau. Ah, il faudra que je fasse ça la semaine prochaine, en espérant que j'oublie pas. Ah oui, alors attendez. Plante-toi derrière le pilier, ma grande. Ils sont violents. Ils sont violents! Oh la vache, comment qu'elle a dégusté du. Je sais plus où sont mes trousses. Au secours, panique! Oh la malheureuse! Oh bonjour Gabriel! Pardon, j'avais même pas vu ton arrivée. Ah! C'est la guerre d'entrée de jeu. Ouah, mais ils sont robustes. Eux aussi, ils prennent combien de balles dans la tronche avant de mourir? Oh là là. Attends, là, ma situation, elle est plutôt périlleuse. Faut peut-être que j'y aille au fusil à pépon, non? Peut-être. Ouais, en fait, c'est ça. C'est le sacro-saint fusil à pépon qui fera toute la différence. Ah, oui, j'espère que tu vas bien, Gabriel. Merci à toi d'être là d'entrée de jeu, en fait. Parce que j'ai lancé il n'y a pas 2 minutes. Il est quoi? Ah oui, il est déjà 9h45. On voit que j'ai pris mon temps. Je pensais que j'aurais déjà pris mon temps à 9h30, mais à force de fignoler des détails à droite à gauche. Aïe aïe aïe, on est déjà sur les 10 heures. Enfin bon, on est relax, c'est le week-end. Ouais, ça va? Ouais, moi ça va. J'ai une semaine éprouvante. J'ai encore mes nerfs qui ont pris cher, mais bon, c'est la vie. Donc je suis content, voilà, d'être en week-end. Là, je me. Enfin, j'ouvre les chakras et puis je me détends un max et voilà. Et c'est toujours une joie de pouvoir me ressourcer auprès de vous. Yop, cousin. Oh! Est-ce que j'ai un intérêt à être sur le balcon? Je m'attendais à avoir une collision. Au niveau mur. Oui, hydrater ça, je peux. Dos droit, ça va être difficile. Je viens fraîchement de m'installer. Donc, excuse-moi, je suis bien cadré en plus. Ah! Ouch! Il fait bobo pour rien. Alors attends, j'étais arrivé par là. Je présume que la sortie sera par là. Mais comment faire pour ouvrir encore cette grande porte?
Alors là, totale découverte, parce que je m'étais arrêté là quand j'étais arrivé la semaine dernière. Pardon. Il va falloir que j'allume mon cerveau et que j'ouvre grand mes yeux. Oh, il y a quelque chose à déposer ici. Il y a un piédestal, un pupitre, c'est qu'il y a... Quoique, c'est plutôt un pilier. Faut que je le pousse, là. Non, non, elle veut pas interagir avec. Pour le moment, on n'aurait pas d'intérêt. Alors, je me méfie des bibliothèques, là, avec les rouleaux dans les losanges, parce que... On a vu dans la cinématique, c'est carrément des portes. Enfin, plus que dans les cinématiques. J'ai mis 500 bergas pour la nouvelle coupe. Ah, c'est bien, t'as vu. C'est cool, la... Comment on appelle ça? L'interface est bien pensée. J'ai eu un remords tout à l'heure. Figure-toi que j'ai amorcé le défi tout à l'heure, mais hors antenne. Tu sais, dans ma préparation de coulisses, avant de lancer le direct. Puis je me suis dit, merde, je suis un idiot. J'aurais peut-être dû lancer le défi en direct, justement, que tout le monde voit que ça y est, on a un nouveau. Visiblement, ils ont pensé à ça. Et ils font une indication dès que le diffuseur prend son antenne. Donc ça va, ça me rassure. Merci pour l'info. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est bien pensé. Ah, elle peut peut-être se suspendre. Non? Non. Non, non, non. Oui, ça y est, hein, donc vous l'aurez deviné, je ressors les chapeaux, ça y est. J'ai même les patounes, là, j'ai ressorti la paire, donc même le gage là. Dès que Tune Sen va le savoir, il va me l'imposer. Je le connais, il adore me faire galérer. Surtout un jeu comme celui-là au clavier avec des patounes, c'est juste injouable. Enfin bon, bref. Vous connaissez les... On va dire les blagounettes de mon canal. Attends, là je me sens profondément débile. Oh, le plafond est très beau. Ça fait presque parquet illustré, mais on voit que c'est de la pierre chaude. Bonjour, Tune Sen. Là j'ai l'air idiot parce que je sais pas où aller. Attends. Je veux juste avoir la conscience tranquille et faire la touche action devant les grandes portes. Ne me dis pas que Lara peut les ouvrir d'elle-même. Je pense pas. Non, 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 non. Heureux de ton destin pour tes promenades. Oui, j'ai... Je sais pas où est-ce que tu vas trouver tes images et tes infos. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a Twin Sen. Maintenant, je lui ai laissé une branche de mon Discord. Comme lui, il n'a pas de serveur Discord propre. Ah, c'est sûrement par là. Il arrive à trouver des images humoristiques ou des billets d'information, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et là, il y aurait le constructeur allemand, je sais plus lequel. Pas de serveur pour le moment. Comment ça, pas de serveur pour le moment? Constructeur allemand qui a créé un modèle de chaise de bureau qui est motorisé à 20 km/h. Enfin bon, bref. Voilà, soupir. Bah, j'ai pas commencé les streams, diffusion pas de serveur pour le moment. Ah oui, plus tard t'auras. Oui, t'es en train de dire que t'auras ton Discord que tu vas inaugurer au moment où tu te lanceras. Oui, tu feras la triangulaire, je pense aussi avec YouTube, tout en même temps. Oui, t'as bien raison. C'est cool. Alors, ça tient à chacun, mais. Ah, elle se manipule, elle. On voit les rayures sur le sol. C'est ça, c'est bien pensé la texture. Ça m'a dit, tiens, il y a un truc qui a été traîné sur le sol. Messieurs. J'adore quand les diffuseurs pensent à archiver sur YouTube leur direct. Oh. Non, c'est un niveau secret. J'ai eu la musique du secret. Merde, s'il y a la musique, c'est qu'il y a un truc. Non? Waouh. Oui, tant qu'à faire, je sauvegardais là, mais...
Attends, elle va marcher prudemment. Là-bas, il y a la récompense de la... Dans quoi ai-je mis les pieds? Bon, Lara Croft est évidemment encore trempée. Bah, bon, avec la chaleur de l'Égypte, elle va vite être au sec. Je pense pas qu'elle puisse choper la crève. Ah, on entend le vent. Alors, parfois, je me pose des questions sur le choix des textures des concepteurs du niveau. Parce que là, on dirait une sculpture gallo-romaine alors qu'on est en Égypte. C'est... Enfin bon. Ah, l'échelle est là. Un jour, elle y arrivera. Un youle, elle y arrivera. Vas-y, pour te placer au bon endroit. Voilà. Merci, Lara. Tuc, tuc, tuc. Intéressant. Au moins, ça fait crédible. On voit où l'air circule et où arrive la lumière. Wouah! Ça faisait combien de temps que j'avais pas trouvé la surface? Oh, reviens là, dis donc. Wouah! Ça faisait combien d'heures de jeu que j'avais plus vu le ciel? Wouah! Le rêve! Ah oui! Oh, la joie de pouvoir courir sur des sentiers, on va dire, naturels. Pas très logique ça. Ouais, oh, écoute. L'aventure, c'est l'aventure, hein, comme on dit. Oh, mais la porte là, elle est scellée. Oh là là. Ouais, là, c'est complètement inondé, leur truc. On va peut-être aller voir dans la flotte s'il y a un truc. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je ferais peut-être bien de sauvegarder à nouveau, rien que pour pas me coltiner l'ascension de sortie du bâtiment. Waouh! Alors, je rappelle pour ma poire que cet opus, je le découvre totalement. Je n'y ai jamais joué. Moi, Tomb Raider, quand j'étais plus jeune, je m'en étais arrêté au beau milieu du troisième opus. Donc là, je regarde ça avec des yeux d'enfant, là, de... J'ai 20 ans grâce à vous. Waouh. Je sais plus où je suis allé, où je suis pas allé. Je sais plus du tout. Gameblog, Splinter Cell devient gratos, mais pas pour longtemps. Ah, intéressant, merci Tunsen. Zeddy Babo. Ta 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 la ta ta ta. Tiens, pardon. Ah oui, mais oui, je suis pas en... Mince. Ouais, tant pis, j'allais dire. J'allais faire une manip, mais comme je suis sur en... comment dire, en écran spécial Tomb Raider, je vais pas faire sauter la diffusion. C'est pas grave, je ferai des trucs en coulisses plus tard. Je crois que je suis déjà allé ici, moi. Attends, que je réfléchisse. Quel est mon inventaire? J'ai un gant. J'ai le gourdin. Pardon, je crois qu'on peut traduire comme ça, le gourdin de Pharos. Et Knot, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, de Pharos. J'ai envie de dire que c'est le pendentif de Pharos. Je sens que l'Égypte, je vais y rester coincé longtemps. Ça a été sacrément bien pensé le niveau. Enfin, les niveaux, puisqu'ils sont interconnectés.
Qu'est-ce qu'on fait? Je retourne là-dedans, moi. Hop, 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 hop. J'ai chaud de pas me péter une cheville. Mais c'est une costaud, là. Il n'y avait pas des fantômes qui me faisaient suer, ici. C'est d'un sombre. On n'y voit plus rien. Oh, j'aime pas ce que j'entends. Eh oui, il y a les fantômes. Bon, laisse tomber. Je veux pas... Non, au secours. Je veux pas me recoltiner les fantômes. Normalement, c'est la logique des développeurs. S'ils ont foutu les fantômes, c'est qu'il faut plus rester là. Et il n'y a plus rien à y faire, quoi. Normalement, si les développeurs, les concepteurs de niveau ont été logiques. Ça veut dire, barrez-vous d'ici, vous y avez déjà tout fait, laissez l'endroit en paix. À tout jamais. Alors attends, ici, je pouvais pas monter, je crois. Ouais, ouais, c'était un sens unique, ça a dû être par là que je suis arrivé la toute première fois. Donc, c'est pas cet édifice-là qui serait la suite. Là, au moment où j'ai piqué une tête dans la flotte. Je repars dans la flotte. Visiblement, je suis condamné. Bon. On y retourne. Tiens, c'est dommage. J'aurais pu vous gratifier d'un joli saut de l'ange de la part de Lara Croft. Oh, c'est beau. Oh, c'est vachement bien fait. Bah. Au secours. Il y a du courant. Oh, elle va se noyer, la malheureuse. On ne panique pas. Elle va se noyer, la malheureuse. Teddy, 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 teddy. Ah! Oh, la cavité souterraine. Enfin, immergée, pardon. Enfin, souterraine aussi, la preuve. Oh. Et je me rappelle que j'ai pas sauvegardé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je l'ai pas fait le niveau là. Ou que je l'ai pas fait. Attendez. Je prends le risque de sauvegarder là, mais. Ça... J'ai. Oh, c'est beau. Oh, c'est superbe. Elle est géniale, leur intro de niveau. On va s'éclater. Oh, c'est magnifique. Ils ont un sens de la mise en scène, j'aime beaucoup. Oh, oh mon dieu, quelle horreur. Ouah. Ouah, 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 ouah. C'est un requin marteau. C'est ça qui est pas beau, c'est un requin marteau. Ouah. Bonjour Olive qui tue. Oh, j'espère que tu vas bien. Oh, Kizak. Oh, oh. C'était donc ça. Il ne sait rien. Il ne sait rien passé. Ça veut dire qu'il y a un autre truc à mettre dans l'autre... Il y a une symétrie, en fait. Oh, le requin marteau, il m'a bien fait... Ah non! Ah, c'est peut-être la partie centrale qu'il faut déverrouiller. D'accord. Il n'y a plus qu'à prier pour que j'ai le bon artefact. Ah oui. Ah oui. Là, il a dû se passer un truc. C'est obligé. C'est cool. Ah, le temple d'Isis. Pharaoh, ce temple d'Isis. Je me regarde en l'heure, j'ai mal partout. On dirait que je suis passé sous le volant compresseur cette nuit. Oh, ma pauvre. Ouais, repose-toi bien. Je t'avouerai que je sais pas quoi te dire. Je pensais, tu sais, à du synthol pour les douleurs musculaires, mais... Reste chaud, déjà. C'est déjà une première chose.
Et puis, ouais, non mais repose-toi, Olive. Oh là là. Si t'es en fricassé de dos, dur quoi. Ah, le requin marteau, au secours! Au secours! La crabe va se faire croquer tout cru! Ah, c'est peut-être là que ça a ouvert. Oh! Oh! Il y a quelque chose à lire sur les murs? Ah oui! Alors je rappelle que lorsqu'il y a un cartouche, c'est le seul truc que j'ai compris dans l'écriture égyptienne ancienne, que sont les hiéroglyphes, c'est que quand vous avez un cartouche, un truc entouré, c'est un nom propre. Oh, crapet de roche. Yeah, bien. Wow. Wow. C'est beau. Faut dire ce qui est. Graphiquement, c'est magnifique. J'adore la direction artistique. Oh, on dirait un dispositif au sol. Bizarre. Peut-être éviter de mettre le pied dessus, parce que c'est un truc qui t'embranche de par le sol. L'horreur. L'horreur. L'horreur vient d'apparaître devant moi. Je peux le cuic ou pas? Ah non, c'est des immortels. Et mais. Faut que je fuis. Tiens, je pourrais peut-être faire le test de est-ce qu'il se fait embrocher par eux, non. Oula. Oulala, je... Oups. Attendez. Oh. Oui, elle peut. Oh là là, elle est trop forte là, elle est trop forte. Génial. Comique, c'était pas la bonne porte. Attends, faut faire vite parce qu'elle a pas une apnée illimitée. Surtout avec l'énergie qu'elle dépense. Ah, il y a quelque chose par ici. Ouf. Tiens, structure en bois. Pourquoi pas? Oh! Wow! C'est beau! C'était quoi ce bruit? Hein? C'est quoi cette horreur? On se croirait dans Resident Evil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça meurt pas? Attends. Pardon, j'ai joué du flingue classique parce que. Ah, je crois que je l'ai encastré dans le décor. Ah non, il est en orbite géostationnaire là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je vois que je le touche, je vois du sang. Mais ça meurt ou Oh la vache! Non, ça meurt pas le machin là! C'est un cauchemar! J'ai pas l'impression que ça veuille mourir. À moins que... Attends. En visant bien. Je vais me le faire, non? Oh, tu es en train de parader là. Non? Visiblement, ça meurt pas. Oh, dur. Bon, bah, je suis bien content de l'avoir encastré contre le mur, ce nigo, mais... Oh ya ya.
Ah. Il y en a des choses. Bon, au moins je peux admirer les lieux. Eh bien. Je peux rien faire avec le mobilier. On est d'accord. Non. C'est stylé. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Waouh. Ah, les couleurs sont plutôt chatoyantes. L'endroit est plus accueillant que la bibliothèque d'Alex de la reine Cléopâtre. À Alexandrie, là. Enfin, nous sommes à Alexandrie, mais. C'est. Ici, c'est plus accueillant, je trouve. Donc, je suis arrivé par ici avec le bestiole qui m'a mis le grappin dessus. Elle venait de là, d'ailleurs, la bête. J'espère que. Ah oui, tu me diras, la pièce, elle est. Waouh. C'est Néfertiti? On va jouer à Pyramide, en 3. Digging, digging, digging. Pour ceux de ma génération, vous aurez compris de quoi je parle. Ah, on a vu par un bug graphique qu'il y avait une trappe là où j'ai mis les pieds. Là, il y a une trappe. On voit qu'il y a un truc. Ah oui, on voit que la texture, elle est. Ah, le bug. Mais c'est le trou sans. Je retrouve pas la texture de la. De l'échelle. Donc, à mon avis, elle va tomber dedans, la pauvre Lara. Oh, qu'est-ce que c'est que cette salle? Qu'est-ce que c'est que cette salle? Ouh. Ah, si, elle peut. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non, sérieux? Ouh, je vais déclencher un truc. Je vais avoir la colère des pharaons, là. Ah oui. Oulala. Spécialité locale que j'avais oubliée, dis donc. Comment je peux m'en débarrasser? J'aurais peut-être dû faire ça en dernier, en fait. Oulala, vite, ils vont me dévorer tout cru. Non, il monte! Mais c'est un épouvantable et horrible cauchemar! Je pensais qu'ils allaient rester en bas, eux. Oh non, il faut faire ça de manière en symétrie. Aïe, aïe, aïe. Ah bah non. Oh merde. Je crois que j'ai un problème. J'ai une petite. Ah, il y a un truc. Là, il y a une symétrie que j'ai pas observé. Oui. Et voilà. Hop là. Aïe, 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 elle est quasiment morte. Alors attends, j'ai droit quand même à une petite trousse de soins. Donc, ce qu'on s'appelle déjà ce que j'ai ramassé. Ah, peut-être me donner un indice rien qu'avec le nom. Broken Beetle, Black Beetle. La cassée et la noire. D'accord. Je pense que c'est Scarabée Beetle. Bah oui, quand on dit la New Beetle. Non, c'est Coccinelle. New Beetle, c'est le nom de la bagnole. Beetle, c'est une coccinelle, c'est vrai. C'était un truc temporaire ou pas? Il faut que je rappuie ou. Non, 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 j'ai appuyé sur le truc donc. Donc. Ah, j'ai déverrouillé en face le coup de la symétrie. Je me dis, tiens, je peux pas y aller, mais si. C'est ici. C'est l'autre bouton que j'ai pas actionné que je dois. D'accord. Là, il va se passer un truc, forcément.
très mystérieux. Vous savez, je suis tellement habitué à avoir une animation qui se déclenche dans ce genre d'action que là, de rien à voir, je suis suspicieux. Ça a rien ouvert là. Une trappe peut-être, non? Ah oui, la trappe. La trappe. Ah bah voilà, il y a un truc de... Oups. Ah bah non, ils vont me manger tout cru. Ah, au secours. Au secours. Ah, quelle horreur. Ah, c'est vachement mieux. Ah, c'est intéressant ça. Oh, ne m'attraperai pas. Et là, je vais où? Panique. Ah, elle va mourir dévorée toute crue. Ah, le supplice du scarabée par les pharaons, il est redoutable. Ah, il y a un jeu de saut à faire. Ok, j'ai compris. Et j'ai merdé. C'est drôle. Avec les scarabées, c'est horrible. C'est juste horrible, cette situation. Ah, mon Dieu. Ah, elle a plus de vie, la pauvre. Non, mais tout te met en panique. Oups, et voilà. Ils sont bien modélisés, les scarabées, je trouve. Bien fait. Hop là. Tac, tac. Et hop là. Hop. Ah, ah. Ah, allez, je vais lui donner une trousse de soins, la pauvre, parce que... C'est quand même la violence, cette histoire. Voilà. Oh, je gagnais un truc. Ok, il faudra que je remonte. J'espère que c'est pas chronométré. J'ai gagné une clé égyptienne. Là, 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 j'espère qu'ils vont rester en bas. Oui, là, ils peuvent pas remonter, là. Faut arrêter de Oh non, il y en a encore en haut. Ah, quelle horreur. Deuxième douche de scarabée. Ah, le cauchemar. Alors, au revoir Nefertiti. Ah! Je suis tombé comme un caca. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. T'es moche. Ah, Crotum, j'avais réussi. Alors... Oui, mais attends, j'avais... Attends. Attends, j'ai mal... Ah, j'avais pas sauvegardé mon... Enfin, maintenant, je sais comment on fait, mais... Je pensais que j'avais sauvegardé, mais non. Oui. Ah. Elle est drôle, la mort, là. J'aime bien. J'aime beaucoup. Oui, non, c'est en face qu'il y a un... Hop, hop. Ouais, et puis là, hop là. Oh. C'est monstrueux. Vite, une trousse de soin. Alors qu'elle se fasse de manger toute crue. La malheureuse. Alors. Hop là. En fait, il faut rester appuyé sur la touche de saut. Il n'y a pas à se poser de questions. Bon, je vais essayer de pas faire le nigo par rapport à tout à l'heure.
Hop là, hop. Elle va malheureusement avoir droit à un deuxième service scarabée. On l'a vu. C'est une horreur. Ah non. Et là, je fais un truc très stylé. Non. J'allais encore faire une dinguerie. Ouais, oh, comment je fais mon saut acrobatique retourné, moi? Ah oui, c'est peut-être comme ça, plutôt. Mais oui, sauf que le retourné, j'ai loupé. Je cherche les ennuis. Ah, c'est pas facile d'avoir une bonne note artistique avec Lara Croft. C'est vrai aussi qu'elle peut se relever de manière encore plus classe. J'y pense jamais. Non, mais non, mais non, mais non. Mais les Égyptiens, c'est abusé, arrêtez. Alors, attends, j'ai même pas lu ce que j'ai obtenu. Ah, là, j'ai envie de traduire par la clé des vents. Oula, oula, oh, ça rappelle des souvenirs, hein, un dispositif comme ça. Il y a eu un truc similaire dans le 3, je crois. Oh, mais il y a toute la bande à Basile, là. Ils vont me trucider. J'ai tout le bestiaire, dis donc. Oh, j'aime pas la couleur du truc. Ah, c'est de l'essence. Vite, sors, 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 sors. Non, c'est horrible. Ah, c'est atroce. Ah, quelle horreur. C'est génial. Ah, c'est du pétrole. Je pense pas que les Égyptiens raffinaient les nappes de pétrole, mais bon. Enfin, le pétrole tout court, mais... Bien qu'ils étaient en avance sur pas mal de trucs. Déjà, à l'époque de leur civilisation, mais... Wouah! Waouh, 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 waouh. Donc, ça se passe là. Les décors, je me lasse pas des décors, ils sont magnifiques. Attends, je vais aller déjà ici. C'est peut-être une autre épreuve. Non, c'est la même. Alors, un saut peut aider. Magne-toi le cul, Lara. Excuse-moi de te dire ça. Mais sinon, tu vas finir... What? Rôti. Oh oh. J'aurais peut-être dû identifier les lieux avant de lâcher les scarabs. Oh non, mais il n'y a que ça en fait. Oh là là. Non mais elle est morte, Lara, là. Le temps de faire l'action, elle est morte. Wouah. Alors, je pense que je dois inviter les scarabées avec un saut forcé. C'est pas con. Forcer les scarabées à mourir dans le pétrole enflammé. Parce que je vais pas m'en sortir avec des scarabées en liberté dans la pièce. Ah bah on peut le dire. Quelle aventure. Oh là 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 là. Oh ce bestiaire de fou. Allez. En fait t'es même condamné à réussir ton saut parce que... À la vitesse où ça s'embrase. Et je blâme. Voilà, tout de suite. Alors, attendez. Je vais sauvegarder là. Et puis, évidemment, les bords sont glissants, quoi. La bonne blague. Ah bah non, mais non, je suis condamné à mourir. Oui, surtout si l'autre me m'allume. Hop hop hop. Attendez, j'ai pas compris le... Comment je me débarrasse des scarabées? Ce serait génial qu'ils tombent dans le truc, dans le pétrole. Ah, c'est peut-être là en fait. Cette scène est atroce. La pauvre. C'est horrible. Oh, pop, 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 pop.
Je pense qu'il faille devoir faire ça pour faire tomber un max de scarabées. Et hop, et là j'arriverai à... Ah, même là! Merde, elle crame. Quelle horreur! Là, j'ai envie de dire, il y a presque un ennemi trop, c'est la bestiole volante qui me tire des boules de feu, elle est en trop, la bestiole. C'est... Là, le défi, il est haut à relever, merde aux mains. Attends, est-ce que je peux monter sur les piliers? Non, forcément. C'est un peu haut, j'avoue. Mais elle est où la bestiole? Elle est coincée dans le corridor de descente là ou quoi? Avec un peu de chance, c'est ça. Parce que rien que de l'entendre, évidemment, c'est stressant. Ouais, visiblement, elle est coincée en haut. Tant mieux. Oh là là. Bon, ça va être chaud. Mais non, mais... Pourquoi il meurt pas dans le... Voilà. Non, il meurt même pas dans le pétrole enflammé? Non mais c'est injouable votre truc. Sérieux? Alors là, je comprends plus. C'est juste injouable. Puis elle peut pas se suspendre, c'est une hérésie ce truc. Ah, il n'y a pas eu de scarabée. Parce que ça doit être une porte en fait, il peut pas y avoir de conteneur. Oh non, la bestiole elle est déjà là. Oh oui, non, mais là, elle me trucide, la bestiole. Faut que je fasse quelque chose avec mes trucs, moi, c'est pas possible. Broken 2. Non, 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 non. Alors là, je suis dans la mouise. Non, je peux pas m'en sortir. Bah mince, alors. Comment qu'on fait? Waouh. Après, Sega, c'est plus fort que toi. Là, on a Lara, c'est plus fort que toi. J'ai pas les scarabées là, pourquoi? Parce que j'ai fait dans un ordre précis peut-être. Oh, cette créature démoniaque. Mais je peux pas revenir. Non, mais je peux pas. Non, merde. Ouch. Je suis fort dubitatif. Le pire, ce qui me fout les chocottes, c'est de savoir que Christella m'avait avoué qu'elle était restée bloquée ici dans cet opus. Elle n'est jamais allée au-delà. Donc ça me jette un froid. Aïe aïe aïe. Bon, visiblement la bestiole a pas trouvé
Là, pour le coup, elle est pas avec moi. Donc, je vais sauvegarder. Ça, c'est fait. Mais je peux pas revenir là. Attends, comment je ferais pour... Faut que je réussisse un saut. Mais presque. Elle a frôlé du pied le bord comme il fallait, mais... Là, je commence. Déjà, si la caméra ne suit pas, ça va pas aider. Ah, c'est redevenu des marches, ok. Oh là là. Si la bestiole peut rester en bas, c'est mieux. Ok. Non, je ne peux plus. Ah! Bon, la question, c'est lui, il meurt ou pas? Je sens qu'il va me causer soucis de bout en bout. Que je peux me débarrasser de ce loustique ou pas du tout. Ah, il est coriace, le gardien du temple, là. Oh là là, il me suit jusque là. Ah oui, non mais complètement. Il me lâche pas d'une semelle. Hop, oh, puis c'est vrai qu'ils sont deux. Allez, venez à la douche. Ah, merde. Ouch. Ah oui, bloquez-vous dans les murs. C'est ce que vous faites de mieux. Bloquez-vous dans les murs. Voilà. Alors, en espérant qu'il ne m'ait pas retrouvé. Oh. Wow. Ah, j'adore. Merde, là j'ai pas les vrais, il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Alors, que je réfléchisse. Je suis arrivé par là, donc ouais, je fais dans le sens horaire. Donc j'ai pas fait par ici. Nouvelle épreuve. Encore ? Mais là, elle va mourir cramée. Eh ben, on peut le dire, elle a eu chaud. Il y a juste celui-là? Et s'il y en a qu'un? Oh. Non, c'est pour revenir que ça va être sport. Ah, l'Égypte! Ah, l'Égypte. Non, 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 attendez. Attendez. Attends, je... Oui, sauvegarde parce que... Même mon saut, je la sens pas, là. Tu une scène direct, je suis mon fun fan à sauvegarder tout le temps, mais... Je la sens pas. La preuve. J'ai du tout cuit. Oh. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bon, celui-là, il m'a été offert, on va dire, entre grosses guillemets. On progresse. Alors, il ne reste plus qu'un flanc. Il manque un scarab. Hop là, c'est parti. Ah, c'est tellement dense qu'elle peut pas sauter. Elle est tellement gluée là-dedans que...
Pourquoi là il y en a qui tombent alors que ailleurs il n'y en avait pas? Aïe, aïe. Bon bah, elle est morte, elle s'est cognée. Ah, ils y vont sans souci les scarabées. Hein. Immunisés contre le pétrole enflammé. C'est horrible. D'ailleurs, ça me fait penser. J'avais vu un documentaire il y a longtemps scientifique là sur la biologie. La quelle créature c'était le... je sais plus, j'avais le top 5 des créatures les plus dangereuses. Je sais que dans l'eau d'ailleurs, il y a une méduse en mer du Japon qui est redoutable. C'est limite si vous la voyez pas, vous êtes mort parce que si elle vous tourne entre guillemets le dos, elle a des qu'on appelle ça les filaments qui traînent le long d'une méduse qui sont ultra comment dire venimeux. Ça tue un homme hein. C'est même pas la peine, vous pouvez pas la toucher. Bref, c'était le top 5 des plus mortels, mais il y avait aussi le top 5 des créatures les plus résistantes à tout en fait. La noyade, les flammes, température extrême, etc., etc. Et il paraît que le scorpion devrait être la créature qui devrait résister le plus longtemps sur Terre à tout. Enfin, c'était peut-être pas la créature numéro 1, mais le scorpion était très bien conçu morphologiquement pour... Non mais elle est quasiment morte là, il faut que je lui prenne une grosse trousse de soins pour la... J'ai l'impression que ce que j'ai récolté avec les scarabées, c'était pas le bon truc. Bah merde alors. Où serait le dernier scarabée qui me manque? C'est une énigme. Attends, parce que si je retourne là... Bah non, ça a été fait, donc il n'y a pas de... pourquoi il me manque... Mince. Oh, décidément, je lui explose la tête contre le... Le mur... Attends... Je suis arrivé par là. Je suis allé là... Ah, je suis pas allé sur l'autre escalier. Ici, j'ai pas fait, je crois. Du moins, je me souviens plus sur quoi ça donne. Ah! Chargement de niveau. Oh, c'est beau. Je veux la même chose dans Minecraft. On pourrait presque. C'est vrai, je pourrais faire un truc similaire dans Minecraft. Mais oui, d'ailleurs, ça me donne des idées. Parce que je vois à peu près les cubes à prendre dans le jeu pour faire un truc similaire. Ça se tire pas. Ah non, merde, je pensais... Oh, y a, y a... Bon, là, pour le coup, je peux sauvegarder. C'est beau. Oh là là. Ce raffinement égyptien. Waouh. Mais je me pose vraiment la question s'ils ont mis au pif des hiéroglyphes. Je pense qu'ils sont vraiment inspirés de photos de l'Égypte réelle. Là, c'est le nom d'une divinité puisque c'est un cartouche, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Mais est-ce que c'est des hiéroglyphes au pif ou est-ce que ce sont des authentiques? On reconnaît le symbole Anx, la vie manifestée, là. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Bizarre, on dirait des emplacements. Mais des emplacements de quoi? Aïe, aïe, aïe. Il y a un grand accès, il y a un petit accès. Ah bah non, c'est lié, d'accord. C'est la même pièce. Oui, il est bizarre ce mur. Mur de lecture.
Wow. Ah oui, alors là, c'est carrément le dieu qui a annoncé, quoi. Je me demande si j'arrive pas dans une chambre mortuaire. Oh, j'aime pas ce que je vois au sol. Ouh. Ouh là là. Là, il y a une épreuve, là. Là, il faut y aller tout doux, là. Ah non, pas tout doux. Papa la papa. Bah, reste pas planté là. Malheureuse. Ah, les palaces au pluriel de Cléopâtre. Oh. Ah, elle avait pas assez de sa bibliothèque. La reine d'Égypte. Attendez. Waouh. Et je peux rien mettre là pour. Je vous l'avoue, Cléopâtre, elle. Ah si, elle peut monter. Je me suis mis une barrière psychologique en croyant que je peux pas monter, que c'est un truc qui glisse, mais non. Attends, qu'est-ce que. C'est quoi cette scène? On dirait qu'elle tient une lampe de génie dans la main, là, sur la droite et à gauche. Je sais pas, elle tient quelque chose de. Ouais, ou un. Une théière égyptienne? C'est trop bizarre. Oui, là, on voit mieux avec la lumière. Waouh! Que signifie cette scène? Puis là, on dirait qu'il y a une bête qui est gravée, on dirait un cerf. Ils ont pas de cerf en Égypte. Je ne comprends plus. Mais vas-y, allez, défonce tout, pilleuse de tombe. Alors, qu'avons-nous déboîté là? Oula. Oula, torche, j'y vois plus rien. Et encore? Non. Bonjour Nayonet. Ouais, je vais pas tarder à sauvegarder. Ouais. Voilà, je suis pas spécialement en danger. Enfin, je crois pas. Ah, peut-être maintenant. Je dois avouer que peut-être maintenant, ça craint du boudin. Les palaces de Cléopâtre. Oui, je suis dans la mouise. Ouch. Non, mais elle va mourir là. Elle va pas avoir le temps de. Trop tard. Elle est cuite. Elle peut y retourner, elle est morte. Voilà, un bon bain chaud, un peu mortel. Le pétrole s'est enflammé. Lara Croft, elle a cramé. Oh. Oui, bah je m'étais tourné vers le bon côté en fait. Ouais, parce que là, elle peut pas. Ah si, elle peut. Ah, j'ai rien dit. Elle peut. Merde, bon bah. Un petit bain chaud, ouais. Blep, blep. Blablabla. Ah là là. Ah. Là, je l'ai bien joué. Je sauvegarde. Ah bah c'est ça qui me manquait.
Ah, je suis content, j'ai pas de scarabée qui me tombe dessus. Alors, par contre, pour revenir... Oh non, vous êtes pas sérieux, les gens. Non. Mais non, elle est pas par là, la sortie. Non, 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 non. Non, ma sortie, elle est là. Bleh. Et Lara Croft mourut ici dans d'atroces souffrances. Non, bah non, elle est morte. Elle crame. Non, il faut pas courir avec elle. Il ne faut pas courir avec elle. Oh, attends, je peux peut-être te faire classe. Comme ça. Oh oui, tout simplement. C'est oublié à quel point elle est vachement athlétique, Lara. Alors, si je vise... Attendez. Pourquoi c'est une pente? Ah, j'ai pas récupéré le l'artefact quand j'ai sauvegardé. Mais quel con. Ah, le con. Oui, la classe, ouais. Je me dis, c'est bizarre, c'est une pente, c'est par-dessus les escaliers, là, je pigeais plus. J'avais oublié que j'avais sauvegardé avant de récolter le butin. Eh oh, ma grande, tu... Oui, j'avoue, j'ai pas fait la bonne combinaison de touches. C'est moi qui déconne. Alors. Voilà. Allez, Lara! Allez, Lara! C'est une chef. Ouais, allez, la pilleuse de tombe! T'as la clé, sors, sors! C'est un peu ça. Oh, le végétal, il est beau. Par où j'étais arrivé, moi? Par là, je crois. Oui, recharge le niveau et hop. Merde, je sais plus où est la pyramide. Je crois qu'elle est en face, la pyramide, non? Oui. C'est par là-bas que ça se passe. C'était quelle face que j'avais pas... C'était celle-ci. Oui! Sauvegardons. Qu'avons-nous là, canigule? Elle peut rien faire. Oh la vache. Ah mais c'est Stargate SG1. Allez, déclenche le... C'est quoi que j'ai volé là? Combiné? Oh! Ah! J'ai compris! Le scarabée va faire passer les pics de la... du palace de Cléopâtre. Mais c'est génial, j'adore. Alors lui, j'adore pas du tout parce qu'il va me tuer. Ah, au secours, démon égyptien. Ah, au secours. Barre-toi, je veux plus te voir. Non, mais non. Ah, si, 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 c'est par là. Si, 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 c'est là-bas le scarabée égyptien. Si, instinctivement, par coup de bol, par coup de chance, je suis parvenu à prendre la bonne direction. Oui, c'est ça! Oui, Lara, oui, je sais que c'est ça. Ouais! Vas-y, le joujou à Cléopâtre. Hop. Oh la violence. Non, il faut que je passe en même temps que le jouet? Ah non, c'est bon. Tant que le joujou excite le système, je peux passer dessus sans me faire détecter. Je veux bien te récupérer, mon grand.
Ah oui! Oh là là! J'aime beaucoup la mécanique de jeu. Là, pour les coups, je trouve que c'est. C'est. Ah, j'ai un emplacement de vide, dis donc. C'est cohérent, c'est logique, c'est bien. Ça me plaît. Et c'est beau. Oh, regardez-moi ces textures. Ah, oh, faut que je fasse pareil un jour dans Minecraft. Il y a moyen, sérieux, il y a moyen. J'ai vraiment une idée dans Minecraft pour faire un. Faudra que je remette mon. C'est le barbier égyptien. Mon Dieu, il se passe un truc. Oh, Poupon, bonjour! Bonjour, salut Vulcain, quel beau chapeau digne d'un aventurier vidéoludique des temps nouveaux, yeux sourire, bisous. Bisous. Merci, j'espère que ça va bien, Poupon. C'est très gentil. Merci pour le réabonnement. Oui, j'allais dire, c'est le barbier égyptien, là. Il a failli couper la natte de Lara Croft. De Lara Croft. De Lara Croft. Ah oui! C'est le deuxième gant! J'espère que. Non, il s'est pas fait couper. Dommage. Alors, le pharaon veut pas se faire raser de près. Tiens, tiens. Oh! Déconne pas. Non! Faut pas qu'il me suive, lui. Ah non, 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 non! À la malédictionne! Aïe, 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 aïe! J'ai pas vu que je courais vers un piège. Mais non, mais il va me poser problème, le pharaon, là. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci, Merci bisous, et bisous. merci, Merci et bisous. Merci. Le jeu est tout bonnement magnifique. Il est superbe. Moi, j'ai la direction artistique. Tout à l'heure, t'as loupé un truc, faudra revoir la rediffusion, Nainonet. J'ai eu un. Oh, ils sont deux. Oh la merde. J'ai eu un. Comment on appelle ça? Une intro de niveau. Avec un. Comment ça, no? Au secours! Aïe, ouch, aïe. Non, c'est trop de violence! Brr. Ah, ils vont pas dans l'eau, hein. La mise en scène, elle était parfaite. Oui! Elle va se faire sabrer! Ah, trop tôt. Et merde! Oh, puis eux, ils avancent tranquille. Non, mais c'est abusé. C'est complètement abusé. Ah ouais, non mais dur quoi. À moins que. Mais non, 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 il faut que je me barre avec l'artefact. J'aurais pas l'occasion de revenir ici, je suis obligé de le faire dans le sens là. Oui, ça se passe entre les eaux, oui. Ouch! Ah, je suis passé au pire moment. Ouch, ouch, ouch. Mais non, mais elle a pas le temps de poser le jouet là, et puis. Non. Comment ça, no? Mais tu disais 8 tout à l'heure. Oh, mais elle est bête. Non, mais elle est morte là. Ouf. Là, ça mérite une trousse de soins complète. Oh, j'ai encore un truc à piller. Oh, mais c'est la fête aujourd'hui. Je suis en train de piller toute l'Égypte ancienne. Oh, oui, aïe, 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 aïe. Mais barrez-vous. Mais c'est horrible. Oh, c'est atroce. Par contre, le cadeau, il est sympa. Waouh, ils en avaient des trucs, les Égyptiens, dis donc. Attends, mais non, mais c'est pas la bonne sauvegarde. Si? Bah, j'avais pas sauvegardé après le. Je deviens fou. Ah oui, c'est un carnage épouvantable. Bah.
Ah non, c'est une trousse de soins que j'avais prise. J'avais pas sauvegardé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, lui il fait suer. Là, je dis que je vais mettre le joujou. No. Mais arrête de dire non. No. Mais non. Merci. Merci. C'est horrible. Mais c'est atroce. C'est abominable. Oh là là. En même temps, la scène, elle est comique. Enfin, elle est tragique-comique, puisque ça... Ça se finit sur une mort de l'aventurière. Nickel. Là, mon... Bien, je passe un bon moment. Il n'y a rien à redire. Magnifique. Non. Mais c'est bizarre qu'elle dise non la première fois. Ne pas détacher ce propos de son contexte. Ah mon dieu. Ça pourrait être mal interprété. La sauvegarde, parce que j'aimerais ne pas me recoltiner. Il faut que je récupère le joujou. Il faut pas que j'oublie de le récupérer. Non mais non, mais non, mais ils vont me clic. Ah non, ça va. Merde, je suis allé au mauvais moment. Je recommence, c'est débile de mourir comme ça. Tu devrais pas te débarrasser des squelettes avant, ils sont immortels. Enfin, j'ai pas... Je me suis acharné sur l'un d'entre eux et... Oh là 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 là, c'est épouvantable. Et Enfin, moi je veux bien essayer de jouer du fusil à pépon, mais Attendez. Je veux bien réessayer, hein. Ou alors, attends, je vais peut-être changer de munitions. Ça peut jouer. Oui, c'est bizarre, hein. Le coup du non la première fois. Ah bah tiens, il monte pas les escaliers. Bon bah... Alors. Ou alors, c'est Cléopâtre qui leur dit non, n'allez pas là, c'est foutu. Ah non, mais c'est superbe. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est Noël avant l'heure pour Lara. Ah non. Ah non. Ah non, 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 non. Non. Non, mais non, ils se relèvent. Ils sont immortels, les salopards. Non, pas eux. Oh non. Au secours. Non. Je vais être emporté par les démons égyptiens. Oh. C'est atroce. Ah, oh, c'est atroce. Oh, c'est quoi ça? Ah, un gourdin. Faut mettre un gourdin de... Oh non, oh non. Il est indispensable ce scarabée. Non mais là elle est... Oh, 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 la violence! Même morte, elle se fait exploser. Oui, 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 c'est ça, Lara Croft qui a gourdin, mais Là, elle s'est fait couper la chic. Oh, je vais tout lui faire, la malheureuse. Toutes les morts possibles, allez hop, on y va, c'est la fête. Non, laissez-moi. Oui. Là, je peux pas... Si, je pense, d'ailleurs, tiens. Mais oui que je peux.
Ah. Sauf que ça ne m'apporte absolument... À part un peu de calme, mais... ça s'arrête là. À moins que ce soit un moyen d'avoir un angle de tir à l'arbalète. Et, sauf qu'ils sont plus là, donc... Bon, je re-sauvegarde. Quoi, une barre de fer? Bonne idée, avec la barre de fer, tu peux tout faire. Alors, bonjour, Edge. Ah oui, pardon, j'ai même pas vu ton arrivée il y a 3 minutes. Tu veux le faire à quelle heure, le golf? Bah, je me vois reprendre cet après-midi, tu sais, le FIR, tu sais, le jeu de dégommage, là, FPS. Mais c'est pas une obligation, on peut décaler. Non, dis-toi que t'as l'après-midi entre 14h et... Entre 14h et 20... Enfin, 20h. Faut que je finisse par les billes tout à l'heure. On va dire, t'as entre... On peut lancer la partie au plus tard à 18h, EJ. Donc, entre 14h et 18h, tu me diras quelle est ta plage pour jouer au golf. Bon. Voilà, je serais ravi. Puis ceux qui ont le jeu comme moi, je pense à Twinsen, par exemple. S'ils souhaitent me rejoindre tout à l'heure pour... Il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Merde, elle va mourir. Elle se fait tellement tabasser qu'elle va mourir, là. C'est un cauchemar. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pop. 14-18, voilà. Tu choisis... Merde, mais partout, c'est biaisé. Il n'y a pas un truc qui soit pas piégé. Le joujou mécanique de Cléopâtre, là, il est où? Ah merde, j'ai oublié de le ramasser. Non! Non, j'ai oublié de le ramasser. Il est là-bas. Il fallait que mon Henry arrive. Oh bah lui, il se prend le mur, c'est très bien. Non, le scarabée mécanique, reviens. Reviens. Faut vraiment qu'elle soit dessus, quoi. Sans quoi elle refuse de faire l'action où je ramasse le Schmidbeek. Il a pas l'air débile, lui. Oh non. Ah, ils aiment pas les escaliers. Tiens, c'est marrant. Oh, c'est bizarre dans la programmation du jeu. Ils supportent pas les escaliers. J'ai l'impression que j'ai loupé une porte que je pouvais déboîter au... J'allais dire au pain d'épices. À la barre de Baramine. Attendez. Lui, il va pas attendre. Non, je peux pas. Vu la disposition, c'est fait exprès pour que je puisse pas faire face au truc. Oh, puis ils sont déverrouillés, eux. Oh là 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 là, les splendeurs de l'Égypte. Oh, attends, mais c'est un levier. Est-ce qu'elle peut suspendre et... Vas-y voir. Hop là. Oh. Mais elle est empoisonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a la gerbe. Oula. Lara Croft est empoisonnée. À quel moment elle s'est faite injecter du venin? Oh mon dieu. Oula là. Ouhouhouhou. Ah, elle se sent mal, Lara Croft. Ouh, c'est Gerbotron. Le scarabe. No. Comment ça, no? Elle a dit yes. Non, mais elle sera morte avant. Mais la lenteur de ce truc. Si on golfe puis bille, ça peut être marrant, on reste dans le thème. Comme tu le sens, EJ. Non, mais si tu veux, tu pourras revenir vers moi spontanément cet après-midi, me dire si je suis prêt pour le golf, et puis je lancerai le golf. Enfin,
Fear, j'espère quand même Fear en faire ne serait-ce qu'une heure cet après-midi, parce que c'est vrai que c'est un gros défouloir. En plus, c'est un potentiel assez élevé de clips, tu sais, de bons moments, d'action, de bugs ou de rigolades. Mais ouais. Tu me diras spontanément, Edge. Mais je suis content que tu acceptes la proposition, merci, parce que j'avais vraiment envie de jouer au golf. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de mini-golf et ça me manque. À quel moment elle s'est... Ah, c'est peut-être cette infâme créature qui lui a piqué, lui a injecté du venin. En fait, faut voir ces horreurs comme des scorpions volants. Je pense que c'est ça. Ah. Allez, je la tente. Ah! Oui, je crois que j'ai vu juste. Ouf. Oh, 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 oh. Si ça a pu éliminer les deux loustiques, ce serait génial. Ah, ce serait le rêve. Attends, là, je reviens au début. Oh, il y a lui. C'était quoi ça? Ah oui, c'était un truc que j'avais pillé. Oh là 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 là! Dur le niveau! J'ai mangé un peu d'ail en poudre et par conséquent je n'ai plus la saveur de café au lait. Oula, oui, tu t'es. Oui. Quelle drôle d'idée, Nayone. Attends, est-ce que je suis allé par là, moi? Oh, mais ils sont chiants. Comment je fais pour les trucider, Je pense pas que ce soit l'usi. Non, je dirais plus la pompe, mais... Non mais ils sont trop chiants, ils sont trop nombreux. Ah, j'ai pas récupéré le joujou. Au secours, je sais plus où c'est. Aïe. C'est le grand malheur de Lara Croft. Non, il était pas là. Attends, où est-ce que j'ai laissé le scarabée mécanique, moi? C'était pas par là. Là? Non, je suis mort. Attends, mais qu'est-ce que j'ai? Je n'ai plus le scarabée mécanique. Je l'ai laissé où, moi? Non, il n'est pas là. Bah, je l'entends. Ah, si, il est là. Oh, il y a eu un bug. Il n'était pas affiché quand j'ai rechargé la partie. Oh! Tu m'étonnes que ça aide vachement si c'est bugué. Aïe, pardon. Oh là là, puis les deux excités qui débarquent. Mais ça me donne accès à quoi, ça? À rien, visiblement. Un peu de paix, mais... la paix va pas durer. Attendez, je suis profondément débile ou... Ah non, c'est là que ça se passe. Ok. Voilà, avec un peu de chance, j'ai plus personne. Allez, mange-toi les fesses, Lara. Tu vas te faire trucider. Ah. On y croit. Allez, on remonte toute la liste. Bon.
Ah, ouh, i. Oh, ah, c'est une salle bonus. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais... Mais oui, non, mais là... Non, mais faut arrêter, les trousses de vie, là, je les fume les unes derrière les autres. C'est une horreur. Attendez, je vais essayer de les, les disperser, de les distancer un peu. Ah, ah, ah. Au secours ! C'est l'enfer en Égypte ! Bleh. Ah non, pas par là. Même moi, je suis en train de m'égarer, là. Faut arrêter. Ça va trop loin. Ah ! Ah ! Les brigands, ils aiment pas les escaliers. Mangez-vous les escaliers. Ils sont là, il se passe un truc. Je sais pas, c'est gentil. Merci, Fun. Bonjour tout le monde, c'est mon 11e mois. C'est le meilleur mois d'abonnement. Bonjour, Fun, et merci. Ah là là. Bon. Eh ouais, et je t'avais dit hier que mardi, tu feras ton 11e épisode avec Aeroster sur Resident Evil 5. Bonjour, monsieur. Non, j'ai pas encore l'artefact. J'ai pas encore l'artefact. Par contre, j'ai encore des soucis. Allez, vite. Il va te scalper. Et merde. Trop tard. Le jouet s'est cassé. Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Lara fut morte encastrée dans un sarcophage égyptien. On ne retrouvera que ces deux pompes pourries plus tard. Message de FunFan 1992. Le pire, c'est que c'est le 11e épisode qu'on fait en 11e mois de l'année, novembre, et en plus mardi, ce sera le 22. Les planètes du 11 sont alignées. C'est rigolo. C'est rigolo la numérologie que t'es en train de faire. D'une certaine manière, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est énorme. C'est énorme. J'aurais presque pu ramasser le scarabée à ce moment-là. Non mais... Au secours! Halte à la maltraitance sur pilleuse sur de tombe. Mais non, mais ramasse ton truc, Nunuche! Évidemment, avec les bugs de collision, là, ils sont... Mais non, mais non, mais c'est injouable, les enfants! Ils sont trois contre moi, c'est dégoûtant. C'est dur. Mais, surtout, ne réagis pas! Trop tard, elle est déjà morte, je peux plus prendre de soins. Elle aime la partie A4, ouais. Oui, cousin. Oh, donne pas des bites, c'est gentil. Oh là là. Bonjour Christella, comment que ça va? Aïe, aïe, aïe. Alors. Merci de piller le sarcophage. Je vais prendre tout de suite une trousse de soins parce que là je vais me faire démonter. Allez, reprends-le, Nunuche, tu vas te faire bousculer et c'est trop tard. Assis-y un peu. Harry survive, Harry survive. Vite, 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 vite. Et non, mais elle est déjà morte, mais c'est pas possible. Deux trousses de soins, c'est.
Je suis allé trop vite. Ah, le petit joujou, il a... Le joujou, il est mouru. Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Server Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux. L'achat de nouveaux jeux sur le chemin. Ouh, ils me gavent, les vilains. Allez, couchez. Mais non. Mais c'est injouable. Là, c'est injouable. Oh là là. Ah, t'as offert à Nounours un abonnement. Merci, Fun Fan. Va pas te ruiner, hein. Doucement, doucement, mais c'est très gentil, merci. Oui, d'ailleurs, Nounours qu'on salue, il faudra que j'aille le voir prochainement. Parce que là, ça fait... Je l'avais vu sur Jump King il y a 15 jours. Bonjour, la Jed. J'espère que tu vas bien aussi. Non, t'as pas les droits. Mais oh, j'ai encore eu un truc dans mon café. J'ai dû avaler un moucheron qui est allé se noyer dans mon café au lait, Burke. Mais qu'est-ce que tu prends? Mais oui, non mais... Merci, FunFan, mais va pas te ruiner. Oula, doucement, doucement. Tu offres un abonnement à Pop and Ripop. Merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un. Mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune. Puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc. etc. Merci tout plein. Des zoubis. Ah, je l'ai mal joué. Non mais c'est très gentil à toi, FunFan, merci. Oui, la Jed, tu peux pas, c'est réservé à mon administration. Enfin, mon... Ma modération, pardon, c'est pas le bon terme. C'est... Petit cadeau, sinon... cadeau. Petit cadeau... Christella. Ah, merci, Christella, d'avoir renouvelé ton abonnement. Elle est déjà morte. J'ai même pas le temps d'ouvrir l'inventaire. Merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un. Mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune. Puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc. etc. Merci tout plein. Des zoubis. Les soins. Je suis condamné. Voilà. Là, c'est la face, c'est condamnation à la perfection. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Et c'est ingérable. Voilà, là, je suis trop loin, elle ramasse pas l'objet. C'est un cauchemar, cette phase de jeu. Oh non, il se relève trop vite. Il se relève beaucoup trop vite. Ah! Donc, j'ai récupéré mon dû. Je vais devoir y retourner pour les re-assommer qui me lâchent les basques. Voilà. Non. Mais arrête avec ton eau. Elle s'est baissée au moment où l'autre a donné un coup, c'est drôle. Ça par contre c'est drôle. Non. Le truc se pète, pourquoi? C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'y aller? Ouais, j'ai pas le droit d'y aller. Même en marchant à pas feutré, ça passe pas. Ça passe pas. Oui, pour compléter ma réponse envers la Jed, je réserve la commande, enfin l'usage de la voix de synthèse qu'à la modération.
Même ma petite audience de chaîne fait que j'aurais eu, sans déconner, des loustiques qui se seraient amusés à foutre le caillon. Donc c'est pour ça que c'est strictement réservé. Non, elle peut même pas prendre son impulsion pour sauter, elle est embrochée. C'est pas ça. Pourquoi le jouet se brise ? Parce que là, j'ai... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des munitions ici. Enfin, c'est pas le moment de le ramasser, mais... Alors, la suite logique de ce bazar. Bonjour Aerostar. Oh, vous avez déclenché un train de la hype. Oh, fallait pas, Aerostar, c'est gentil pour les 100 bits. Bon, on va bien, merci. Elle était belle, ta rigolade, hier soir, sur... D'ailleurs, il faudra que j'en fasse la publication sur mon Discord. Ta rigolade sur l'Interville, là. Fall Guys. Tu nous as offert une bien belle séquence de rigolade. Attendez. Ah, mais je l'ai pas ouvert, le sarcophage. Non, là, ils vont me sabrer. Attendez, je vais essayer de faire le... Merci de ta générosité. Dans la cagnotte, la chaîne file, la tournée, 13 ou un serveur. Minecraft sera financé avec plein d'autres choses. Joyeusement partagé. Ouais, alors je vais tout de suite prendre le... la trousse de secours. Tout ce qu'elle gagne, elle le dépense d'office parce qu'ils sont tellement casse-bonbons ceux-là. Oh, les ennemis. Voilà, là elle a le droit à un peu de repos. Mais merci, hein, Aerostar, pour les 100 bits. Merci tout plein, c'est très gentil. Le train de la hype. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai, le train de la hype, depuis que la chaîne existe. Ah, j'avais pas remarqué l'interstice au niveau du mur. Message de FunFan1992, le sage, tu es dans une autre dimension que la nôtre, parce que pour nous c'est Noël aujourd'hui. Oui. Je reconnais que c'est une ambiance de fête. On est en petit comité, là, vous déclenchez quasiment toutes les alertes. Mais merci. Oui, je me suis bien amusé à les créer, oui. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est sûr, c'est horrible. Mais j'ai vraiment dû avaler un moucheron là dans ma dernière gorgée parce que je l'ai au fond de la gorge, c'est horrible. Oh. Ouais, j'ai avalé une bestiole là, c'est sûr, Burke. Oh. Oh 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 oh. On est où là? Oh! Ouh, c'est pas innocent ça! Attends, c'est quoi que j'ai ramassé? Oh là là! Il faut recomposer en fait le corps du. Oui, dans la légende, la mythologie égyptienne, il y a je sais plus quel dieu égyptien qui s'est fait dépecer. Il fallait recoudre ses membres et il y a que son phallus qui manquait, en fait, dans l'histoire. Je sais plus c'est qui, quel dieu. Il avait été dépecé. Osiris, merci, Aerostar. Et ces morceaux avaient été balancés dans le Nil, je crois.
Oui, mais attends, mais j'ai plus de jouets de... Je peux pas sortir, je suis mort. Bah oui, je suis mort, merde. Ah, mais je suis déjà à l'autre bout du truc. En fait, faut pas que je passe par ce couloir. Voilà pourquoi. Ouch. Ça se tient pour le... Aeroster a offert un abonnement en Ionet. Oh, merci. Oh là là, doucement. Merci, c'est très gentil. Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un, mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune, puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc., etc. Merci tout plein. Des zoubis. Ah bon. Bah, c'est dégoûtant. Eux, ils peuvent marcher, pas moi. Bah, je suis foutu. Comment je peux m'en sortir? Alors là, je piche pas. Là, il y a rien. Oi, 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 oi. Ouais, ça va me suffire. Ça me laisse songeur dubitatif là, parce que comment je peux m'en sortir? Là, je suis en train de me perdre. Le niveau est complexe, il est vraiment labyrinthique. Oh, puis il y a lui qui va me poser problème. J'étais déjà venu ici, j'ai déjà pillé cette salle. C'est pas une... Non, c'est pas une porte, ça. Oh, ils m'ont déjà retrouvé. Bonjour, Maître Doux. Oh, ça fait longtemps, comment vas-tu? Oh, merci à toi de passer faire un coucou, ne serait-ce que ça. Oh, Maître Doux. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un court passage en début de semaine chez Cadeau Anthony. Parce que j'étais surpris de le voir diffuser à des heures inhabituelles, là, dès le matin. Et mais je crois que je t'avais pas vu sur le moment, t'étais pas là. J'aime bien ce que tu annonces, Edge, par rapport à ton papa qui joue. Il a 80% de chômage dans sa partie de Forge of Empires. Ah! Ça s'est ouvert. C'est marrant, j'y avais pensé. Non, mais là, elle est... Là encore, une fois de plus, elle est morte. Oh là là, ce carnage! Oui! Oui, c'est important ça. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sabré le... Ah! Faut tirer dessus! Ah, mais je savais pas! Oh! Ah, c'est un truc destructible. Bah, allez-y, bande de nunuches, donnez vos coups de sabre là. Allez-y, pétez tout. Faites le boulot de Lara. Ah, je peux exploser les... Ah bah, j'ai loupé plein de trucs. Oh là là. J'en ai loupé des choses. Alors, j'ai encore prendre une trousse de soins. Pas comme si j'en avais 28. Oh là 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 là. C'est la folie, ce niveau. C'est vraiment la folie, quoi. Non, faut qu'elle soit coupée. Merci. Ah oui, vu comme ça, c'est différent. Mais non, mais... Oh. Il casse le... Il casse l'action, il me bouscule, donc je peux rien faire.
Attendez, je vous lis un peu pour le coup. Ouais, ça va, donc c'est bien, c'est cool, ça va, maître Do. Oui, là, je suis en week-end, je suis bien, donc je suis avec vous, c'est relax, c'est cool. Je me recharge les batteries. Si c'était pendant les heures inhabituelles, j'étais sûrement au boulot encore. Oui, 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 là, je l'ai vu à 9-10 heures du mat, au moins 2 jours cette semaine. Et c'était rigolo parce que Cadet Anthony, il avait titré, il avait dit « Je suis tombé du lit ce matin. » Sacré Anthony. Tac, 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 tac. Oui, voilà, vous prenez une nouvelle entre vous. Donc, j'ai les cases bonbons qui allaient repartir. Tiens, mais non. Non, j'ai pas pu ramasser. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser pour de bon. Aïe, 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 aïe. Puis c'est pas du petit matos, c'est ça qui est dingue. Allez. Allez-y, bousillez le mobile Cléopâtre vous-même. Ce serait tellement bien. Bon. Voilà, très bien. Non, non, Lara, range tes flingues et monte. Tiens, 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 comme il me tourne le dos que c'est pas poli, au passage, est-ce que je m'amuse à... Non, les suppos, non, ça leur fait rien. Ouh. Non, ils se... À la tête, peut-être. Non. Je suis déception. Alors, oui, je vais garder le... Alors, du coup, le mobilier. Je savais pas que je pouvais bousiller le mobilier à foison, là. Ça change la donne. Non, ne surtout pas revenir par là. Il était où le truc? Merdome, il était où le dispositif? Je me souviens plus. Le niveau est excellemment bien composé, pensé et conçu. Mais... Attendez, là je suis en train de sécher parce que... Ah, c'était là. Là, il va se passer un truc. Oh. Oh, j'avais même pas vu. Je m'attendais à ce que ce soit du sol normal. Oula. Oula là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me rappelle Tomb Raider 3 et le temple de Saint je sais plus quoi là. Où il y avait une verticalité de fou. Ah, tu fais une expérience, mon cher Felfan. Expérience. Hein? Ok. Ah, si ça peut exciter les... Excitez-vous sur la copie. Excitez-vous sur la copie de Lara Croft. Arrêtez. Laissez tranquille l'original. Foutez-lui la paix. Non, au secours. Elle est cachée. Je peux rien faire avec ma copie? Non. Message de FunFan1992. La nouvelle fonctionnalité, c'est que je peux accent aigu et humbler des messages. Tu peux humbler des messages. Ah, tu peux épingler des messages, ok. Ah, j'ai vu que ça s'escaladait au plafond.
Accent détupé. Ah, pour repasser par au-dessus. Non, j'ai avancé un pas de trop. Ça peut être utilisé, je peux me mettre en avant une connerie. Ah bah c'est du joli. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah l'Egypte, mesdames et messieurs. L'Egypte, l'Egypte. Oh non. Au secours, la créature démoniaque des enfers égyptiens, là. Oh non, il va se réveiller, lui. Ah, il y avait... Quoi ? Bah, pourquoi elle est morte ? Ah, j'ai pas compris le jeu. Pourquoi elle est morte ? Elle a libéré un gaz ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Non ! Y'a que moi qui peux monter sur le piédestal là pour être copié. Non! Le squelette va copier comme elle. Elle est. Ah non, ça va, il était dans le rayon. Normalement, j'aurais dû avoir une copie en or du squelette. Y'a eu un incident comme dans le film d'horreur La Mouche. Il aurait dû y avoir fusion. Et voilà, on découvre avec Lara Croft que les Égyptiens étaient très en avance sur leur temps. Ils avaient déjà leur première imprimante 3D avant nous. Les Égyptiens avaient déjà tout inventé. Allez, c'est reparti pour les cabrioles. Ben, enfin, peut-être dans le bon sens, merci. Tuk, tuk, tuk. C'est magnifique, les décors sont somptueux. Daddy, daddy, do da. Spring, 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 spring. Ah, c'est une des 12 plaies d'Égypte, ça. Dans le mur. C'est les grillons qui ont mangé les récoltes. Ah, c'est la malédiction du pharaon. Alors, un dieu peut lancer la malédiction des grillons qui provoque la famine parce que les grillons vont manger toutes les récoltes d'Égypte. C'est cohérent. Oui, ou des messages importants, oui, bah oui, bien sûr, fun. Lui fait des pingles, des messages. Bah alors, j'y arrive plus. Ah. Donc ça permet juste l'affiche et le diffuseur, mais personne ne répond, ou les spectateurs. Ouais, bah oui. Foui, foui, foui. Oh non. Ouh, ça craint du boudin, l'autre, il me vise. Ah, c'est juste une planque. D'accord, il n'y a rien à faire. Ok. Message de FunFan 1992. À voir, mais je préfère la synthèse vocale. Le seul avantage, c'est que c'est plus discret. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est bien. Toujours ça de prix comme... comme outil de... diffusion. Merde, oui. Oh là là. Oh, oh, cette mort. Pilote qui saute et qui l'achève avec sa serpe. Oh, violence. Oh là là, cette scène. Violence, violence. Non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Allez, concentration. Oui, donc je suis arrivé par là. Là, on est d'accord, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouch. Là, je crois qu'il n'y a rien dans le...
Non, c'est pas le bon flingue. Non. Oh. Non, mais il y a un truc en face. Qu'est-ce que c'est? Pied de biche? La barre à mine, non. Elle peut pas... Non? Oh non. Oh, oh, c'est moche. Je vous remercie à tous d'avoir été mes cobayes pendant cette expérience. Ah oui, alors avec ton Hola Sandwich Coquillage, on se demande si on joue pas à Pyramide. Vous savez, le jeu qui avait été jadis présenté sur France 2 par Patrice Lafont. Il y avait Marie-Ange Nardi, il y avait le monsieur dont je retiens jamais le nom, qui est vachement doué. Et le pire, c'est que j'y jouais à la version plateau avec ma frangine, mon neveu et ma nièce, il n'y a pas 15 jours, et durant les vacances de la Toussaint, là. Et ah, ça m'a mis en nostalgie. J'aime bien ce jeu de langue française. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas les règles et qui observent les joueurs, c'est vrai que je reconnais que ça fait sectaire. Je sais plus qui c'est qui avait critiqué à la télé le jeu en disant « Mais votre jeu, j'y comprends rien. » Mais pourquoi elle meurt? Je comprends pas la mort de Lara, là. Elle a libéré un gaz. L'air est vicié, elle s'étouffe. Je piche pas. Ah là, je... En trois briques, c'est ça. Ding-ing, ding-ing, ding-ing. Voilà. Merdoum, elle est pas dans l'axe. Elle se fait buter. Magnifique. Laisse tomber. Ah! Oh là là, des ennemis, il en vient de partout, ça fait peur. Bon, là, je sais qu'il n'y a rien dans le meuble là. Mince, oh, je pensais que j'étais à portée. Aucune erreur ne sera tolérée. Papa la papa pa. Oui, bon caméra café, fan fan. Oui, t'as bien raison. Ah oui, c'est là-bas qu'il y a le mobilier égyptien. Voilà. Pourquoi? Ah oui, elle se baisse pas quand elle a le fusil à pompe en main. Ah si, mais il y a une trousse de soins. Merci. Pied de biche pour le... Oh non, mais c'est un enfer, ce niveau. Oh là 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 là. Mais non, mais elle est déjà morte. Hop, ils sont deux. Injouable. Injouable. Oh. Oh là, là, je commence par être submergé de désespoir parce que... Sérieux, c'est dur. Alors, le bon flingue, c'est celui-là. Baisse-toi, tire, ramasse ton truc. Te fais pas scalper. On sauvegarde, on y croit. Allez. Allez, Lara. Là, la baramine. Non. On n'aura pas le temps de l'user, elle va se faire exploser. Non, bon bah au moins c'est notre déclair.
Non, c'est pas ça qu'on fait. C'était le show du désespoir. C'est horrible. Merde. Oh oui, je crois que c'est la chute bien centrée en plus. Je crois que c'est la pire chute qu'elle puisse faire dans la pièce. C'est énorme. Oh, mais je vais pas y arriver. Quelle horreur. Non. Laissez-moi jouer. Laissez-moi. Oh, il y a un levier que j'avais pas vu. Mais elle va... Ah! Oh non, 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 je peux plus sauter. L'autre, il me rentre dans le lard. Je suis désolé, hein, c'est tellement chaud que je vais faire ça 10 000 fois. Bon, alors attends, là, elle est là, là, je présume qu'il faut qu'elle reparte. Le salopio d'ennemi qui m'a empêché de prendre mon impulsion et de sauter. Mauvais angle. Je pourrais pas être speedrunner. J'ai pas l'état d'esprit, c'est pas possible. Jouer une partition à la perfection avec autant de trucs aléatoires, c'est pas possible. Je salue tous ceux qui sont lancés dans la discipline parce que c'est vraiment balèze quoi, c'est respect. Non, mais elle est quasiment morte. Oh là là. Oh, les frais d'infirmerie. Et sauvegarde, allez. Allez, on progresse, on y croit. C'est quoi que j'ai ouvert? C'est ça. Ah. Ah, ça faisait longtemps, le dispositif, là. Hein? Qu'est-ce que c'est? L'effigie d'Ator. Merde, homme. Oh, tout n'est pas perdu, mais... Tout n'est pas perdu, mais c'est pas cool. L'effigie d'Ator. Voilà. Falloir que je révise ma mythologie égyptienne. Parce que Ator, pour moi, il est inconnu au bataillon. Merdoum. Oui, à plus. Bon app, bon déjeuner. Merci, Poupon, d'avoir été là. Laquelle j'ai pas déclenché alors qu'elle se fait malencontreusement. Waouh, le saut qu'il faut faire avec élan. Attends. Donc là. Non, là je reconnais, c'est ma faute, j'ai merdé. Là je reconnais, j'ai loupé mon saut, j'étais pas dans l'axe. Ah non! Mais non! Ah! Jeune, soyons jeunes. Du sang froid dans les veines. Oui! Yes! On y croit! On y croit, daddy 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 douda. Merde, c'est pas par là. J'étais au bon endroit. Oui. Mais elle va finir par se faire attaquer par une tornade d'ennemis volants qui tirent dans tous les sens. Ça va devenir injouable. Ça l'est déjà quelque part, c'est limite.
ses limites. Alors... Allez, Lara. Allez, Lara. Non, je veux pas de toi. Non, je veux pas de toi. Ah, ouh. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ça fait mal. Non. C'est pas raccroché. C'était une bonne patte à tort. Poupon. Bisous, à plus. Bon week-end si on s'en revoit pas. Tiens, je vais faire mon curieux. Alors, si je dérange pas, oui, Christella, t'es au clavier. Tu me disais que c'était par là que t'étais bloqué. Ce que je suis en train de faire, par curiosité, tu l'avais déjà fait ou t'étais bloqué avant? Je suis mon curieux à savoir si j'ai passé une difficulté ou pas. Oh la 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 la. Bienvenue en enfer. Oh non, elle s'est faite Attends, c'est qui l'empoisonne? C'est les trucs mouches volants, non? Non, elle fait rien. Mais... Elle est en lévitation, je peux rien faire. Là, tu fais pas quelque chose, Lara? Ornat Handle. Non. Non. Je m'en souviens pas trop exactement. D'accord, ok, merci. Là, faut mettre un truc, mais elle a pas le truc. Bon, elle est morte. Wouh! Oh, l'Egypte! Waouh! Allez, palace de Cléopâtre, vas-y, quoi. La question, c'est est-ce que je peux aller plus haut, aller plus haut? Non, on est au plafond de l'édifice. Ça voudrait dire que j'aurais loupé un truc? Parce que là, il y a forcément un truc à faire, mais quoi? Est-ce que j'ai pas des objets qui se combinent? Oh, il me manque un truc. Il me manque un truc. Merde, homme. Il y a quelque chose qui m'a échappé, mais quoi? Puis c'est vrai que la statue en or... Je me suis pas servi de la statue en or. Ah, peut-être que je vais redescendre tout en bas, moi. Ah oui, non, c'est pas par là qu'il faut descendre, c'est pas par là. Si lui, il pouvait trébucher, ce serait merveilleux, et se briser les os, j'adorerais. Ah, mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça. Il faut qu'il tombe. Allez, relève-toi et meurs. Allez, tombe. Tomb Raider. Ouais. Non, elle s'est fait empoisonner. Non, ça va. Oh! Le plaisir d'en faire tomber un. Un seul. Il payera pour tous les autres. Enfin, si j'y arrive. Là, je me sens mieux, là. C'est un peu haut. Un petit peu beaucoup haut. Par où qu'elle était arrivée, Lara? Elle est arrivée par en face. Oui, 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 je me souviens. Et je me souviens, c'était par là. La Lidula. Oula, oula, oula. Voilà. Elle est
pas morte de la, du sola, mais elle est athlétique, cette fille. Il y a des trucs que je comprends pas. Juste avoir une sauvegarde où je suis calme, posé, pas agressé. Ça fait du bien. Alors, je... Je suis désespoir. Ah. Oui, c'est en face qu'il faut qu'elle aille. Voilà, magnifique. Quoi? Elle a plus le droit de mettre les pieds au sol? C'est quoi ce délire? Alors là, je... Ah, il s'attaque à la statue, en fait. Alors ça, c'est bien. Bah, pourquoi elle meurt? Empoisonnée ou... Je comprends pas la mort. Pourquoi elle est condamnée à mourir, Lara? Ne me dis pas que... sa statue est liée à sa vie. C'est quoi ce délire? Là, sérieusement, je piche plus. Ah oui, et puis il y a un truc là, c'est vrai. Si je là, je meurs. Ah non. Le truc est cassé. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai loupé? Je peux pas combiner les objets de mon inventaire. Ça veut dire qu'il m'en manque un puisqu'il se passe rien sur le dispositif au niveau de la porte. Attends, là j'y suis allé, je crois. Hein. Ouais. Là, je suis songeur dubitatif parce que... Bizarre. Et elle meurt. Pourquoi elle meurt? Huh.
truc que j'ai zappé. Ouais, il se passe à rien. Hein. Elle veut rien faire, Lara, devant les trucs. Bon, visiblement, sa statuette à son effigie, si ça se prend des coups, que c'est endommagé, elle, sa vie est liée, donc elle en meurt. Magnifique mise à mort. Waouh. Mais non. Là, je piche plus. Oh là, mais quelle créature de cauchemar! Ah oui, non, là ça se déclenche, c'est vrai. Faut pas être cardiaque. Mais qu'est-ce que c'est que ces beams? Oups. Je suis à la limite. À la limite de la correctionnelle, comme on dit. Allez, trousse de soins. Alors attends, je me barre de la salle. Sprint. C'est vrai que je l'ai pas fait sprinter depuis une éternité, Lara. Elle peut le faire. Je reviens au début du niveau. Il y a peut-être une salle que j'ai pas faite. Et il me manque un truc. Ah oui, là je reviens vraiment. Ah oui, il y a plein de trucs que j'ai pas pété. Alors attendez, flingue. Sauvegarde. Là pour le coup, ça vaut le coup. Oh, j'avais aussi des loustiques ici déjà. Je suis pas dans l'axe. Merci. Ils sont chiants. Bizarre. Oui, il est midi. Bon app pour ceux qui déjeunent. D'ailleurs, je fais mon autocritique et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas pris de petit déj, c'est pas bien. J'ai rien dans le bidon. Et c'est pas bien. C'est quoi ça? Je suis allé par ici, moi? Oh, ça me dit rien. Oh! Oh! Oups. Oh, c'est vicieux, ça. Oui, très. Eh, oh, c'est dur! Bah alors, Lara! Wouah! Allez, 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 allez! Collision qui est visiblement, c'est pas chronométré, mais. Non, j'y arriverai pas comme ça. Je veux aller là-bas. Non, Lara, t'abuses. Mais c'est nul. Ah, merci. Oui, attends, il y avait un truc en face.
Merde. Nul le mec, nul. Puis il y a les squelettes qui m'attendent. Oi, 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 oi. Alors c'est où le truc qui a bougé? Il y a des trucs au sol qui ont bougé. C'est pas par là. C'est pas par là. Non, c'est pas par là non plus. Oh, ils sont chiants. Mais quel enfer. Oh, puis je peux pas remonter par là. La bordure est trop haute. Oh, puis elle est empoisonnée. Elle est morte. Allez, Lara, tu peux le faire. Mais c'est au pixel près. C'est pas cool. Là, vous auriez dû améliorer la jouabilité, les gars. Ça devient pénible. Honnêtement, je pourrais pas dire où est-ce que j'ai déverrouillé le truc. Je sais plus où c'est. Oh, il y a du mobilier que j'ai pas pété. Il y a plein de trucs à ramasser et je passe à côté. Oh là là. Il n'y a que ça en fait. Oui, attends. Non, bon, là il n'y a rien. Ok. Je suis perdant. On peut pas toujours gagner. Non, je suis pas dans l'axe. Merci. C'est... Ah! Alors, le cadeau. Ah, oui, voilà, cool. Comme ça, j'ai pas à me baisser. Ah, puis il y a une trousse de... Non, il y a une grande trousse de soins. Ah, allez au diable. Ah, les pharaons, je vous... Non. Mais non. Sniff. Ça m'use, hein. Je vous cache pas que ça m'use dans le sens que je vais pas tarder à arrêter parce que j'ai faim du coup. Mais c'est frustrant. Et c'est pas cool de... Le jeu est magnifique mais il a des petits aspects agaçants. Vous voyez, c'est... si je veux faire un parallèle avec la cuisine, les arts culinaires, c'est un plat exotique. Tu le découvres, t'as l'excitation de la découverte en disant tiens, je vais goûter quelque chose de nouveau. Puis quand tu as le plat en bouche, tu dis il est un peu trop épicé pour moi là. Ça picote un peu et ça gâche, ça fout en l'air le plaisir. C'est un peu ce qui m'arrive là avec Lara Croft. C'est les petits bugs qui frustrent l'expérience de jeu et c'est dommage. T'y étais, Lara, t'y étais, t'avais mis ta tête dans le passage, Lara, je t'en supplie. Oui! Il faut absolument que je sauvegarde après ça. Tant pis si je prends 15 milliards de dégâts, mais je veux plus le vivre. Stop. Bon, alors, j'ai le trio qui m'accueille avec joie, là. Oui, ça je veux, ça je veux. Je veux. Non. Je pensais que le saut serait parfait. Ah, pas du tout. Ah, j'étais bien naïf. Oui. Magnifique. En plus, la bestiole a tiré sur ses confrères. Ça m'arrange. Que de mystère. Où est la zone que j'ai déverrouillée?
Oh, j'y étais presque. Ou alors, faut que j'y aille dans le sens là, non? Attends, mais non. Ça y est, je suis en train de me désorienter. Mais il fait peur l'autre avec ses tirs, il me met en stress. On entend le son de voilà, quand il charge le tir, ça. Attendez. Oh, les casse-bonbons. Elle pourrait pas aller en haut, Lara? Ah, mais non, mais c'est simple, le truc, c'est par ici. Non, il n'y a rien de particulier à aller ici. Enfin, je crois pas. Bah, effectivement, on voit un truc, mais je me demande si c'est pas par là que j'étais arrivé. Je sais plus. La première fois, casse-bonbon. Quel est l'endroit que j'ai déverrouillé là? Ah oui, et puis ici il y a des objets à ramasser. J'avais brisé le mobilier, mais je m'étais pas servi. Alors, ça, c'est des balles visiblement de Magnum, le flingue que je n'ai pas. Mais c'est pas vrai! Pourquoi elle est mourante? Elle est pas empoisonnée? Il y a des trucs que je pige pas dans le. Faut que je retourne là. Pourquoi elle meurt? Elle est pas empoisonnée, j'avais pas la barre de vie qui clignotait en jaune. De toute façon, j'avais pas l'effet Gerbotron. Ah oui, tiens, il y a du que j'avais pas ramassé. Hop là. Oh, il y en a beaucoup. Sympa, ça fait plaisir. Il n'y avait rien, je crois. Oh là 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 là, lui. Oh, l'oiseau de mauvaise augure. là, il n'y a rien. C'était quoi, ça? Oh, les cochonneries de bestioles violentes. Je rêverais de les voir se faire hacher menu. Par je sais pas quel dispositif, mais... je serais en joie. C'est vrai que j'aurais peut-être dû retourner dans le... Et Lara, elle peut pas... Attends. Mince, je viens de déguster le projectile. Non, elle peut pas... Elle peut pas. Oui, parce que ça correspond à là. Est-ce qu'elle a un intérêt à... Ah oui. Il y a une vue. S'il y a eu une vue, c'est qu'il y avait quelque chose à faire. Mais quoi? Attendez, on va y retourner un coup. Les mystères d'Égypte. Pourquoi j'ai une... Very good dude. Ils sont 650 milliards contre moi. C'est un péplum là qu'elle vit, Lara Croft. C'est pas possible. Elle a toute une légion, hein. Oh, ça n'en finira donc jamais. Merde, j'ai merdé mon saut. De toute façon, je vois pas où est-ce que je pouvais aller, mais. J'ai même pas le temps de lire le niveau, là. J'aimerais faire 360 degrés d'observation. De toute façon, les bestioles violentes vont me piquer de venin et m'exploser la tronche. C'est dégoûtant.
Non, je suis allé à peu près partout, je vois à quoi correspond quoi. Comment ça, t'es en 2021, t'es un génie? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Christella, pardon, je t'avais pas lu. Ma dernière partie remonte à 2000-2001, donc ça fait un peu longtemps. Effectivement. Oui, je veux ce qu'il y a dedans. Celui-là, il faut le péter. Il y a des munitions de fusil à pépon. Et je rappelle que dans cette assemblée, nous avons... Non, mais comment qu'il m'a allumé en plein saut, lui? Nous avons la Jed, qui est le... Pas défenseur, c'est pas le bon terme. Promoteur. Je sais pas si on peut dire aussi comme ça. Mais qui recommande en tout jeu l'arme numéro 1, c'est le fusil à pompe. Donc là, je suis bien content d'avoir récolté de la chevrotine. Mais l'autre, comment qu'il a fait une... Comment ça s'appelle en vol l'inverse d'une piquée? Il a fait une remontée et il est arrivé dans pleine poire de Lara, alors qu'elle était au bord du truc, dans le balcon, là. Non, mais la violence... Bah oui, je pense bien que tu confirmes. je pourrais pas les ramasser, je vais mourir. Du gangbang. Tiens, d'ailleurs, on va faire honneur au fusil à pépon. Comme ça. Chaligo. Allez, Lara, ramasse le matos. Oui. Te fais pas scalper. Mais c'est impossible, ce jeu! C'est démentiel. Voilà, j'arrive même plus à sortir du menu et faire un saut latéral. Et puis ça aide pas du tout à la réflexion. Tout le bestiaire qui te poursuit, là, on se croirait dans un sketch de Benny Hill, tellement que ça devient ridicule. Ça aide pas du tout à réfléchir. Tiens, je retourne dans le niveau de je sais plus quoi, là. C'est quoi, ça? C'était pas par là que j'étais arrivé, si, je crois. Je remonte peut-être un petit peu trop en arrière. Encore que. Tiens, pourquoi j'ai pas fait là, moi? Oh, l'Égypte, c'est immense. C'est un cul de sac. Le piège démon. C'est le piège du démon. Là aussi. Oh, elle va mourir noyée. Oh, la malheureuse. Oh, la malheureuse. Ça va mal se terminer. Ouch, un peu d'air. Elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir. Non, mais t'abuses, Lara. Elle ne peut pas revenir. Donc, tout se passe par ici. Allez, Lara. Barre-toi de là. Oh, puis l'autre qui m'attend carrément en train de faire... Alors... Mais il y a du mobilier. Je veux absolument dépouiller Cléopâtre de tous ses biens. Non, là, je pourrais pas, là. Ah, voûtez-moi la paix. Ah, je sors du niveau, je crois. Oui. Non, attendez, on va y retourner parce que c'est vraiment intéressant. Ha ha ha.
Non mais il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de tous mes adversaires là, c'est pas jouable, c'est pas possible. Ici, avec la magnifique... c'est Nefertiti ou c'est Cléopâtre? Elle est magnifique cette reine égyptienne. Je sais pas si c'est Cléopâtre, mais elle est magnifique. Bref. Mais j'ai tout fait ici, j'ai tout fait. Ça peut pas être là. C'est ça, reste coincé dans le... Ça m'arrangerait bien que tu restes coincé là. À défaut de finir dans les limbes. Hmm? Oui, bien sûr. Ouh là là, ils sont en grande forme. Faut que je me méfie d'eux. Ah, j'ai pas le temps de placer mon tir. Non, y a rien. Y a rien... Ah, il y a quelque chose. Et en face. Yes. Oh, il y a encore. Oh, il y a beaucoup de trucs. Il y a une superposition d'objets. Oh, puis évidemment l'autre qui m'allume. Et l'autre, c'était là. Merde. Trop tard. Ils arrivent. A besoin de matos, c'est précieux, c'est dur là. Voilà. Oui, c'est ça, tire sur ton copain. C'est très bien. J'adore les tirs fratricides chez les ennemis. C'est drôle. Ouais. Oh là là. Non, j'en viens. Oh, pff. Vous voyez, j'ai envie de dire que même dans mes épisodes, mes jeux rétro 3D que j'aime bien, la Wolfenstein 3D ou Doom 95, c'est pas aussi... Ah, puis il y en a là aussi. J'avais oublié. Allez, vandalisme. Vandalisme, vas-y. Oh, c'est Noël. Avant l'heure pour Lara Croft. Ah oui. Je dis oui. Je dis où... Ah, non. Oui, non, là, je pense que c'est du décor. Encore que. On va savoir. Ah non, c'est pas que du décor. Munition Uzi. Oui. Eh ben, j'ai bien fait de revenir en arrière. Rien que pour le matos, sans déconner. Je savais pas que c'était des éléments pétables. Mais oui, mais j'ai déjà fait la pyramide. J'ai résolu l'énigme. Ça peut pas être là. Enfin, au moins, je procède par élimination de revenir pièce par pièce. Dans ma tête, je coche. Je me dis, c'est pas ça. On a fini pour de bon. Là, comme on dit, on a torché le niveau. Dans le sens qu'on l'a vraiment rincé. Donc, attendez, il y a une porte que j'ai pas prise. Bah, si, c'est la... Non, bah, il faut que je me barre d'ici. Ça peut pas être ici. Il faut que je retourne là où le niveau se charge, qui est en face, en fait. C'est en face que ça se passe. Alors qu'il se passe encore un truc de fou. Oh, bonjour, Chris. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, je viens d'ouvrir les yeux. C'est bien, j'espère que t'as pu bien dormir. Merci, c'est très gentil de ton réabonnement. C'est cool. Évidemment que toute ta petite famille va bien. Ouais, je crois qu'il faut que je retourne là. Alors, consciencieusement, je vais le sauvegarder là. Parce que, voilà. Oui, belle grasse mat. Se lever à midi. Enfin, t'en avais besoin, Chris. Non. Ah oui, c'est là que ça a ouvert. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous.
Ah bon? C'est juste un cadeau en fait. J'ai gagné des flèches d'arbalète, mais à part ça. Soupir. C'est. J'ai envie de dire Egyptia Enigma. Des énigmes de l'Egypte. Ah, les salopios, hein, ils essayent de la scalper en toute occasion. Doula, petit pas de côté, elle va nous faire la danse d'Hélène. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je fais le tour de moi-même, je fais une boogie woogie. Da, di, da, di, da, da. C'est idiot, mais il faudra que je la réécoute, j'aime bien cette chanson débile, mais qui est très drôle et très entraînante. Da, di, da, di, do, da, da, di, da, di, di, do, di. La, 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 la. Ça y est, j'ai l'air dans la tête. C'est là où on reconnaît les bons airs de musique rythmique là, ou mélodieux. C'est quand c'est vous êtes lobotomisé par la mélodie, c'est que c'est une bonne compo, quoi. Faut se l'avouer. Oh, il y a encore. Oh là là. Elle a été un petit peu écorchée, mais elle a ramassé son butin. Attends, ça m'intrigue. Oh, il va... Oui, j'allais dire, il va zigouiller mon seau, lui. Oh, oh, oh. Et oui, j'ai pas compris pourquoi elle est restée figée. Donc, elle peut pas passer par là. Attendez... Par là non plus, alors, de facto. Non plus. Donc, faut pas que j'aille par là. Faut pas que j'aille par là. Non, il n'y a rien dans l'eau, là. Non, c'était un... Ici, j'ai effectué un pillage en règle. Voilà, j'ai ouvert le sarcophage. On voit que le couvercle est décalé. Non, non, faut pas que je reste là, faut que je me barre. J'ai plus rien à faire ici, en fait. Là, on est d'accord, c'est un cul-de-sac. On est d'accord. Serais-je parvenu à perdre un... Non. Ils sont trop nombreux, je peux pas me vanter d'avoir parvenu à me barrer d'un ennemi. Quand tu peux siffler la mélodie, c'est que une chanson te reste dans la tête. Oui, bah oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En mécanique de mémorisation et, on peut le dire, de lobotomisation musicale. Ah merde, faut pas que j'excite le truc. J'aurais pas dû sauter. Je pense que je passais en courant, mais pas en sautant. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Va mourir, malheureuse. Non, non, non et non. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Pff, ridicule. Allez, va mourir. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'il ne fallait pas faire. Le parfait contre-exemple. Non, non, allez, barre-toi, Lara. C'est plus pour toi. C'est plus... Pff. Non! Oh mais non! Ça devient pénible quand ça tourne comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça c'est fait. Par élimination, je sais que j'ai bien... Je pense que j'ai plus rien à faire, là. Non, non, c'est là que ça se passe. C'est la l'imprimante 3D, là, elle me... C'est l'énigme de l'imprimante 3D. Mais d'où ils sont sortis? Ils sont sortis des murs. Non, mais ce cauchemar...
peut pas tirer sur son double. Non, il n'y a pas d'empereur. Mais vraiment, je peux pas me débarrasser de ces horreurs. Cette mort, oh, elle finit piétinée, c'est atroce. Heureux, je dois vous laisser, dit Maître Doux. Je repasserai plus tard normalement dans une journée. Non, mais c'est très gentil de passer. Merci, Maître Doux. Bon week-end à toi. Attendez, je vais me redresser parce que là, vous voyez, je me suis tellement bien croulé dans mon siège que je pète le dos. Oui, non, mais merci, bon app, bon week-end. Je te souhaite le meilleur. J'étais très content de te revoir, Maître Doux. Oui, alors je me barre d'ici. Hop là. Voilà. Bon, ça c'est fait. En fait, le truc c'était un bonus. Bon, pourquoi pas. On va pas s'en plaindre. Mais je ne suis pas tiré d'affaire pour autant. Oh, j'ai oublié de ramasser du matos. Ils m'ont tellement kikiné que j'ai pas... C'est bien, puis là je l'ai ramassé sans me faire allumer. Alors... Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas pigé dans cette pièce, moi? Il y a un truc que j'ai pas capté. Mais quoi? Mmh. Ouais. C'est un mystère. Mince. Alors... Allez, Lara! Aïe, 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 aïe. Hop là. En face. On est d'accord qu'en face c'est une planque, une cache. Il y a rien. Non, il y a rien. Donc déjà c'est pas ça. Là elle peut monter comme on le sait et là il y a que Puik. Il y a rien sur les piliers, je crois pas. Non, il y a rien. Là on est d'accord, ouais c'est comme ça que ça se présente. Là il y a le... Peut-être que je tire sur le truc, non? Pas. C'est pas un levier. Elle peut pas allumer le truc. Non. En même temps, je vous avouerai qu'elle est pas proprement en face du truc. Donc là, je suis prêt à l'accorder. Cette mort!
No. Alors, je serais tenté d'arrêter là, parce qu'en fait, là, je suis vraiment pas être frustré. Là, on a fait, je sais pas, on a fait au moins 3 heures de Tomb Raider, ce qui est cool comme session. Et je serais tenté de reprendre ma partie hors antenne pour essayer de voir débloquer la suite. Et dès que je sais que j'ai débloqué la suite, je vous le reproduirai en direct et on continuera. Parce que là, je... Puis, c'est agaçant. Franchement, les ennemis qui vous collent au basque à la longue, c'est vraiment usant. Bref, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là, de votre générosité. Attendez, je vais relire le festival. Là, vous m'avez encore gâté aujourd'hui. Oh là là. Oula, je me fais harceler par Twitch. Découvrez Get the Star. Ben, il me le rappellera plus tard. Vous avez gagné le droit de voir ma tronche au gros plan. Alors, nous, on se retrouve évidemment cet après-midi, comme j'ai plaisir de diffuser tout le week-end. Et je pense que je reprendrai mon antenne à partir de 14h, voilà environ. Là, je vais faire un relais chain chez je sais pas qui. Mais je tiens à vous remercier parce que là, vous avez fait des foufous ce matin. Je vais remonter. Pardon, dans l'heure chronologique de cette folie furieuse qu'il y a eu quasiment dès ma prise d'antenne. Alors, merci à Poupon qui a renouvelé son abonnement. Merci FunFan et pour ton renouvellement d'abonnement où tu disais c'est mon 11e mois, c'est le meilleur mois d'abonnement. Et merci pour ta modération, tes expérimentations tout à l'heure avec le fait d'épingler un message. Et éventuellement tes clips, je ne sais pas si vous en avez fait, mais je verrai dans ma collection de clips. Merci. Merci à Christella, qui a également renouvelé son abonnement. Oui, vous aviez même déclenché le train de la hype. Merci à Heroster pour les 100 bits. Oulala, merci d'avoir offert un abonnement à Nainone, mon cher Heroster. Vous m'avez vraiment gâté. Et Chris Golgoth, merci à toi d'avoir renouvelé ton abonnement. Oh là là. Merci tout plein. Donc à 14h, je pense que je dormirai sur du FIR ou du mini-golf. Parce que j'ai invité Edgey à venir me rejoindre, faire du mini-golf, ça me manque. J'ai envie de faire du mini-golf, j'adore. Puis là, ça fait un mois que j'en ai pas fait, c'est pas deux mois, ça me manque vraiment. Donc il y aura du FIR, il y aura du mini-golf, il y aura les bibis, on fera les bibis tout à l'heure vers 19h-20h, je sais plus à quelle heure reprend FunFan, mais je m'adapterai, on fera au moins une heure de bibis et un grand prix de 16 tracés, et puis voilà, puis le soir on se retrouvera chez FunFan en vocal libre pour du, j'allais dire X-Files, non X-Files c'est demain, et l'épisode commenté aura lieu demain. Ce soir, il nous fait du Deus Ex, avec la musique toujours extra, puis en vocal libre, on pourra bavarder de tout et de rien. D'ailleurs, j'essaierai peut-être me démerder. Vous voyez, ce soir, quand FunFan fera son Deus Ex, je crois que je reprendrai Tomb Raider, et que j'essaierai de me dépatouiller hors antenne. Au moins, j'ai envie de dire, ce sera une bonne chose de faite. Alors, j'ai personne qui diffuse. Oh, par hasard dans le public, je vous fais confiance. Est-ce que dans le public, vous auriez pas un diffuseur que vous aimez bien, que vous aimeriez mettre en avant? Parce que là, j'ai nada pour... mais un petit, hein. J'aime bien mettre en lumière les petits... j'ai découvert Ayu avec Aeroster hier. Une demoiselle que je connaissais pas. Enfin, apparemment, elle préfère qu'on dise une dame, mais... Je ne vois qu'une demoiselle à l'écran, elle a l'air adorable. Naunet dit j'ai rien du tout. Ah ouais, c'est dingue. T'as personne de ton côté non plus. Bon. Bah je suis un peu tristounet de pas faire la tradition Twitch du relais de chaîne. Je vais couper brut, c'est un peu dommage. Bon, ça arrive, hein. Il y a des périodes, on va dire, de vaches maigres.
Attendez, je mets le chat exceptionnellement là, que je puisse vous lire. Non, j'y arrive pas. Tant pis, c'est pas grave. Bref, allez, bisous, bonne app. Et puis à tout à l'heure, à partir de 14h, je reprendrai mon antenne. Je vais me faire des pâtes, moi. J'ai envie de manger des pâtes. Ça tient bien le corps, ça tient chaud, ça donne de l'énergie pour le restant de la journée. Comment je coupe mon truc? Je sais même plus comment on coupe le signal proprement quand on fait pas relais de chaîne. Voilà. Merci les anonymes aussi, vous êtes nombreux, hein. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui négligent quand ils font Twitch de pas parler de la communauté, on va dire, passive, enfin ceux qui n'ont pas de compte ou qui en ont un mais qui ne se manifestent jamais. Merci à vous d'être là. J'ai mangé des spaghettis aussi. Bah tu vois, on va être synchro entre danser, hein. Allez, à tout à l'heure, merci, bisous. 14h environ. Bon week-end, hein, si je vous revois pas. Merci pour tout, ciao ciao, bisous. Hop là, je vais me déséquiper. Ah, je n'entends plus rien. Ah, oh, mon Dieu. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Quick.